Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Alors, Nazali Kopesabino Mbote na moi Koseka, moi sourire, parce que l'actualité est vraiment encourageante. C'est vraiment pour la première fois que la CENI révolutionne avec la transparence, avec Kadima. Est-ce que Boyebik va invalider ba gouverneur, ba ministre, même une ministre, le président de la République, une grande professeure d'université? Ne soyez pas pressés, je vais vous donner les noms. Et j'ai même un extrait vidéo à vous faire écouter. Hein. Kadima ayebisaki bango. Suki bobure ba urne ekosimbate. Parce que Erwana Bozali ko voter na machine, ça va tout droit au serveur. Liste eko bima oyo bako afficher. Eko correspondre na makambo yo ekozala na serveur. Soki na urne wana ba compter ba vowana ya ba oyo ba boré et comment on en a tel un serveur, c'est très clair, c'était expliqué. Alors non seulement ça, mais il y a eu des témoins, il y a eu des vidéos, il y a eu des plaintes, et sur base de tout cela, alors il y a 82 candidats écarté. Je tiens à vous signaler que la plupart de ceux qui ont fait ça, c'est les dignitaires du régime. Et surtout aussi, j'entends très souvent l'UDPS, des candidats du parti au pouvoir. Quelle honte! C'est la preuve que Kadima révolutionne la CENI avec la transparence. À Longoli même, bateau et bazan à pouvoir. Il est puissant, Kadima. C'est la preuve de l'indépendance de la CENI. Hein. Aloba qui très très bien que Mutomoko Kozala nommé. Il paraît même qu'il y en a qui l'ont menacé, il y en a même qui sont partis le trouver, que voilà, moi, ceci, cela, moi, je suis votre ami, je vous ai aidé, comme si patati patata. Non, 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 lui il a dit, personne ne sera nommé. Et nous en avons la preuve, chers compatriotes. Nous sommes dans le bon. Hein. Oh là là, si dans le prochain gouvernement, ça continue comme ça, vraiment, un contrôle pareil, vraiment, on progressera, on progressera. Malheureusement, le président lui-même a regretté que dans ce régime, qui vient de terminer, il n'est pas encore terminé parce qu'il n'a pas encore prêté serment, donc il n'a pas eu l'occasion de s'impliquer dans l'arrestation des responsables des criminels, des crimes économiques et consorts. Voilà. Ça prouve que ces personnes-là sont des corrompus. Ça prouve aussi que ces ministres-là, ces gouverneurs et consorts, ces députés, ces sénateurs-là, sont des corrompus. Ça veut dire que c'est des traîtres auprès du président de la République. Voilà. Quoi dire? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, cher président de la République, réélu, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Vous ne pouvez pas diriger avec ces personnes-là. Vous ne pouvez pas les reprendre. Et M. Kadima a dit que ça continue, hein, ce n'est pas fini. C'est la raison pour laquelle le jour de la publication des résultats des législatives a été reporté s'inédit, mais pas pour longtemps. Vous avez compris maintenant? Voilà, chers compatriotes, je vais quand même lire un article de l'actualité qui en parle. Je n'ai pioché que ça dans l'actualité pour vous, chers compatriotes. C'était très important que vous le sachiez, que la CENI a été transparente, que tout s'est bien déroulé. Et c'était bien averti bien avant que... Attention, attention aux fraudeurs. C'est très difficile de frauder. Et voilà, nous en avons la preuve. Hein. Alors, la commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier, a dévoilé ce vendredi 5 janvier ses premières conclusions. Suivez. 82 candidats sont impliqués sur l'ensemble de la République. Oui, bon, c'est ça les premières conclusions. Donc, ce n'est pas fini, ça continue. Ils ont été invalidés avant la publication des résultats provisoires. C'est tard dans la soirée de ce vendredi que Patricia Nseya, rapporteure de la CENI, a communiqué cette liste assortie des motifs ayant conduit à ces décisions prises à l'encontre de chacun des candidats concernés. Fraude, corruption, détention illégale des DEV ou DEV, vandalisme des matériels électoraux et intimidation des agents électoraux sont les principaux griefs retenus contre ces candidats. Détention illégale des DEV. C'est ces machines-là, non? Vandalisme du matériel électoral et intimidation. Nous avons vu ça, hein? Il y a eu des machines cassées, il y a eu des vandales, des destructeurs qui sont venus, qui ont détruit des machines et consorts, sous la responsabilité de ces candidats-là. C'est pour ça qu'ils sont invalidés. Alors, qu'est-ce qu'il dit, M. Kadima? Si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique, il a tenu compte de ça. Les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite, par la CENI, ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie, a déclaré Denis Kadima, président de la CENI. C'est pourquoi il faut réprimer, il faut sanctionner. Alors, parmi les candidats, il y a entre autres... Ah, Seigneur mon Dieu! Seigneur mon Dieu! Parmi ces candidats, il y a entre autres Évariste Bochab. Donc, ces rumeurs se sont avérées. Nous avons appris que Évariste Bochab détenait des machines à voter. Et voilà, il est cité. Victorine Luessé, Sam Boccolombé, Monalux Pauline. Ah, Seigneur mon Dieu. Antoinette Kipulu, ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipulu. Vous voyez tous ces gens originaires du régime du PPRD. Mabaya Gizi, Kinké Moulumba, oh là là, Didier Manzenga Manouanina, la ministre près du président de la République, professeur. Charles Mbutamuntu, Gabi Mambengi, Yannick Ngandou, Jeannot Bijanou, Sasa Marinelli, Tatiana Pembe, Gentiny Ngobila Mbaka. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, fraudeur. Accusé de bourrage d'urne et de détention de ces machines-là qu'on appelle DEV, je pense que c'est ça. DEV en abrégé. Vous imaginez le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka qui a essayé de frauder, de bourrer les urnes, mais c'est honteux. Colette Chomba, c'est une ancienne ministre près la diaspora de l'époque de Kabila, je me souviens. Elle fut députée, mais c'est la preuve que ces personnes ont été nommées députées dans les élections de l'époque de Kabila qui se sont déroulés en désordre. Singipululu. Ah, Seigneur mon Dieu, il a perdu sa notoriété hein, de porteur de la proposition de la loi Tchani. Singipululu. Nous avions beaucoup de respect pour vous. Ben, c'est fini pour vous. Vous allez attendre jusqu'en 2028. Ah oui, vous êtes jeune. Hein? Mais est-ce que vous serez crédible? Ça fait déjà un mauvais passé. Hein? Oh là là. Ces députés-là, ces personnes-là qu'on a citées, là, est-ce que dans les prochaines élections, s'ils sont encore là, en vie, est-ce qu'ils seront élus? Est-ce que ça va passer? Ah, mon Dieu, Willy Bakonga. Oh là là. Qui a bu boira, hein? Willy Bakonga. C'est vrai qu'il y a eu impunité. Hein. Vous savez tout ce qui était arrivé à Willy Bakonga, comment il avait essayé de fuir, comment il a été rattrapé à Brazzaville avec 2 millions de dollars sur lui et que après on l'a arrêté, après on ne sait pas par quelle magie il est sorti de prison pendant le ministère de Rose Mutombo. Excellence, président de la République, ne reprenez plus Rose Mutombo dans le prochain gouvernement, dans le prochain mandat. Ne la reprenez pas. Vous voyez, Willy Bakonga a essayé encore de frauder, d'user de la corruption, etc. Pour M. Kadima, l'importance que la CENI accorde aux conclusions de cette commission d'enquête est la raison du report de la publication des résultats provisoires des élections législatives, initialement prévue le 3 janvier dernier. Alors, Barabet, donc on voit Bachine, Denis Kadima, vont les pêcher Matoukou. Matoukou publié. Bifetan. Bien, Masson là-bas député. Bah, Chifuita, mon enfant. Bandeko. Vous comprenez si quoi. Ponanini, Denis Kadima prolonge Jackie. Mokolo Yako publié. Bah, résultat. Il y a bah, député, hein. Et puis Nayo qui bien attendu quelque part que et Silinante, ils ont continué. Hein. Bah publié 82 voilà, mais peut-être mon sous Ezali. Nayo qui bah désordre il y a Katangate, mais peut-être Ezali, hein, parce que Nanzu extrait voilà Nakatikati. AWP, Balobi, etc. Donc, Batangi Mangouillon sauté. Donc, à suivre. Alors, écoutez cet extrait, chers compatriotes, c'est très important. Donc, nous pouvons applaudir pour M. Denis Kadima, pour son intégrité, sa transparence, sa façon de travailler. C'est très sérieux, ça. Chers compatriotes, suivez. Incitation à la violence et détention illégale des DEV. 41. Moamba. Ngandou Mouya Yannick. A.A. Barcé. Fraude, vandalisme de matériel électoral. Incitation à la violence et détention illégale des DEV. 42. Moamba. Binanou Bijanou Mansi Janou, FPAU, fraude, corruption et détention illégale des DEV. 43. Lukunga, Sasa Bungu Marinelli, ACPA, fraude et corruption. 44. Tchangu, Pembe Lueba Tatiana, Adip, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV. 45. Funa, Ngobila Mbaka Gentiny, ACPA, fraude, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des DEV. 46. Funa, Chomba, Tundu Colette, FPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des DEV. 47. Funa, Singipululu, Cerveau Pichou, AA bar C, fraude, corruption et détention illégale des DEV. 48. Mongala, circonscription électorale de Mbumba, Libaya Bangissa César, FPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV. 49. Mongala, Mbumba, Moliki Maonde Eugénie, AAEC, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV. 51. Bumba, Lianza Mole Abdoul, AADA, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV. 52. Bogandanga, Botakile, Batanga Noël, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale de DEV. 53. Bongandanga, Bolingo, Botakile Denise, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence. 54. Bongandanga, Tizile Nufuloabo Gédéon, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral et incitation à la violence. 55. Province de Maïndombe, circonscription de Koutou, Mosenju Zamba Richard, Dipro, fraude, corruption et bourrage d'urne. 56. Koutou, Lokonga Nzeabe Jean-Pierre, MLC, fraude, corruption et bourrage d'urne. 57. Koutou, Mokumba Monkito Idole, A bar B50, fraude, corruption et bourrage d'urne. 58. Province de Lomami, circonscription de Lille, Boukasangoy Prosper, AA bar C, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des DEV. 59. Milou, Moukadi Jeannot, A bar A UMC, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des DEV. 60. Lomami, Luilou, Milemba Boukassa Angélique, A24, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des DEV. 61. Luilou, Moussassa Jean-Claude, AADCA, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des DEV. 62. Mulu, Congolo Kabila Mouchi, AABG, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des DEV. 63. Mulu, Malangu Mwabilu André, AACPG, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urne et détention illégale des DEV. 64. Lomami, Kabindaville, Tchabu Chitenge Anne-Marie, UDPS Tshisekedi. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 65. Kabinda Ville. Yamashiba Kasongo Basanga Christian. AAP. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 66. Lomami. Lubao. Numbi Clovis. UDPS Tshisekedi. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 67. Lomami. Lubao. Candidat Kaenga Sompo Joseph. 2A/ATD. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 68. Lubao. Kazadingoy Gabriel. Adip. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 69. Province de Maniema. Circonscription de Kasongo. Alengo Ndjembe Léon. AFDCA. Fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 70. Kasongo. Kalumba Mwanangongo Justin. AACPG, fraude, corruption et bourrage d'urnes. Province de Tanganyika, circonscription de Manono, Kasongo Mulokwe Emmanuel, AUM, fraude, intimidation des électeurs, violence contre les agents électoraux. 72, province du Sud Kivu, circonscription de Kalei. Ndangijimana Siparinka Grévis. AAEC. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 73. Kaleye. Kundamantungo Kangango Augustin. UDPS Tshisekedi. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 74. Calais. Bourafiki Sebatoire Johnson. ADD. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 75, province de la Chopo, circonscription de Ubundu, Abedi Moudj Naheri Jean-Claude Obama, AB 50, fraude, corruption, intimidation des électeurs, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 76, Ubundu, Moussa Amadi Moïse, AFDCA, fraude, corruption, intimidation des électeurs, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 77. Province de Chouapa, circonscription de Befali, Elese Liangi Ikite, tout ça, ANB, fraude, corruption, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. Circonscription de Ndjolou, Boongo Koy Pankra. AB, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. Ndjolou encore, Baokopo Baike Lidi, UDPS Tshisekedi. Fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 80, Boendeville, Bakonga Willima Willy, APA, MLC, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. 81, Bokungu, Bosoli, Boengo, Benito Michel, ANB, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des DEV. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, c'est un acte à saluer. Vous savez, il y avait eu plus de 15 000 candidatures à la députation nationale et provinciale, mais 82 candidats invalidés, écartés, ce n'est pas beaucoup. On peut dire que ça n'a pas tellement influencé. Et ceux qui ont déposé les réclamations à la Cour constitutionnelle et qui demandent l'annulation, j'apprends que certains ont 0,02%. C'est très infime, ça, pour être considéré, mais c'est normal. C'est la loi, c'est la procédure pour contester. Nous pouvons en conclure que tout s'est bien déroulé dans les règles et comme il faut. Et il faut saluer cette transparence. C'est la preuve de la transparence que même les plus grandes personnalités soient attrapées la main dans les sacs et puis écartées, validées, sanctionnées de cette façon-là. Il faut donc féliciter le président de la CENI, M. Denis Kadima, et toute son équipe. Et là-dessus, nous clôturons et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À demain. Demain soir, bien sûr. Congo.